Le groupe est prié d'arrêter une pause qui est partie, merci. Donc les voilà partis pour la première pause de trop. C'est tout de suite dans cette journée qu'à l'avantage, dans cette journée ce numéro 4. Donc ça part pour 3 tours, donc vous êtes actués. Ils sont sur le premier tour, c'est Ramsey Tour qui est le numéro 4 à l'avantage. En deuxième position. En deuxième position, on retrouve Serge Cyborg des îles. On n'est pas très loin également avec Rivage de Lyon, le numéro 6. Cette course se déroule sur la distance de 3850 pour le numéro 6 et le numéro 7. Donc c'est toujours le numéro 4, Ramsey Tour qui est à l'avantage. En seconde position, on retrouve le numéro 2, Cyborg des îles. On retrouve également aussi à la grande concurrence comme signe de pion pour le numéro 1. Donc c'est une course de longue haleine que ce prix déroule sur la distance de 3850 mètres pour les numéros 6 et 7 et 3800 mètres pour les numéros 1 et 2. C'est toujours le numéro 4, Ramsey Tour qui est à l'avantage. Il y a deux tours de piste effectuées. On a son extérieur avec le numéro 6, Rivage de Léon. Côté corps, on retrouve le 2, Cyborg des îles. À son extérieur, on trouve le numéro 1, signe de bien fond. En fin de marche, on trouve le numéro 1, comme de 15. Les chevaux ont encore deux tours complets à faire. C'est une course de longue haleine, c'est le prix des roses. Mais c'est toujours le numéro 4, Ramsey Tour, qui est à l'avantage. À son extérieur, on retrouve Rivage du Léon, le numéro 6, qui est à plein gaz. On retrouve côté corps également, comme Cyborg des îles. Toujours cette écorde pour le numéro 4. On ferme la marche avec Canada de 15, qui est juste précédé par le numéro 5, Cristalline, drivé par Mme Solène Pache. Gaspard Nid de Nio, ce numéro 3 se retrouve en milieu de peloton. Il est maintenant 5e position. Il est drivé par l'actuel leader de la travaille d'or, Jean-Luc Mangemont. C'est toujours le même, le numéro 4 à l'avantage. Mais on vient à son extérieur très facilement avec Rivage du Léon qui fait ses bras à son driver. Côté port, toujours le même. Cyborg des îles à son extérieur, Cyborg de Piancourt qui est né au vent depuis un tour. Enfin, la marche toujours avec le 7 qui paraît la cause de la force, Carlos de 15. Encore un tour et demi de piste à faire. C'est toujours le numéro 4 qui a tête et corde. Il est une course de localité. Le numéro 6 vient dans une action très significative. Côté corde, on retrouve le 2. Le numéro 1, Cyborg de Piancourt, 4e, les positions sont échangées. En 5e position, côté corde, Gaspard de Gagnon. Et on fait mourir également avec Cristalline, dans ce numéro 5. On fait la marche avec Canalus de 15. C'est une course de longue attente, donc il ne faut pas trop brûler ses cartouches. Il y a encore un tour complet de piste à faire. 3800 mètres. Donc c'est le numéro 6, Rivage de Léon, qui est débouché en tête pour la dernière fois. Côté corde, le numéro 4. On est venu avec Cyborg de Piancourt pour le numéro 1. Cristalline vient également aussi. Encore un tour de piste à faire, c'est toujours le numéro 6, c'est peut-être le numéro 6 qui va venir à l'avantage. En deuxième position, on retrouve le numéro 4, Ramsey Dourville. Cyborg de Piancourt également là. On vient également aussi avec le numéro 5, Cristalline. On ferme la marche avec Canalus de Gaisse. Côté corde, on a rétrogradé avec le 3, qui est Raskolnip de Nio. Côté corde, le numéro 2, ne fait pas mettre de plus et il vient prendre l'avantage. Le numéro 2, Raskolnip, Cyborg de Piancourt, prend l'avantage. On est là également aussi avec le concurrent. Comme le numéro 6, et on fait mouvement maintenant, on sort des derniers avec ce concurrent 5, ce numéro 5, Cristalline. Au milieu de la ligne de passe et à 700 mètres de l'arrivée, c'est maintenant le 2 qui est mano-mano avec le numéro 6, côté corps de retour de 3, parce qu'on est de nous qui a pas fait mettre le petit qui s'est rapproché. On cède avec le 96 d'ouvrir, on ferme la marche avec Cyborg de Piancourt, et on vient maintenant également aussi avec Cristalline qui fait les extérieurs. À 600 mètres de l'arrivée, tous les chevaux peuvent encore retourner à l'arrivée. On a le côté fort de 2 Cyborg des îles, on arrive à Villéon, et on a maintenant un cheval qui vient à vitesse grosée. C'est le numéro 5 Cristalline, appartenant à M. Biot, et gravé par Mme Soudaine Page. On vient aussi s'approcher avec Cyborg de Piancourt. Pour sortir du tournant, il y a 350 mètres de l'arrivée. Toujours le même, Cyborg des îles maintenant à côté fort. Le Rivage du Léon, c'est l'espace côté numéro 6. Ce cheval va essayer de doubler la mise. On est troisième avec Cristalline. On est côté fort avec Pascal de Nyon, on est cinquième avec Cyborg Piancourt. Pour sortir du tournant, c'est le numéro 6, Rivage du Léon, qui va déboucher en tête. Dans son position, on va Cyborg des îles. Le numéro 7 maintenant, Cristalline va prononcer son effort. On est côté fort avec Pascal de Nyon, on est cinquième avec Cyborg Piancourt. C'est le numéro 6, Rivage du Léon. Rivage du Léon qui s'en va porter. On est deuxième, on finit par Cristalline. On est troisième avec le numéro 2, le Cyborg des îles. On va arriver tout provisoire. On est 4e avec le droit d'Arcane du Bello. Arrivé provisoire, il faudrait attendre le verdict des commissaires. Toutes les choses vont passer, le photo. La durée pour le trou. C'est une cause de trop, donc il faut attendre l'autorisation de cette cause. Les commissaires qui vont finir en tête sur les différents avions, mais arrivé tout provisoire, c'est le 6 pour le moment qui est en force.